l'heure de la greffe de cornée, c'est tout le globe oculaire qui est prélevé. Faux. On ne prélève jamais le globe oculaire entièrement, mais uniquement la cornée. C'est-à-dire la pellicule transparente qui est une fine membrane. La personne prélevée, tout comme le patient greffé, garde la couleur de leurs yeux. Un champ opératoire est positionné sur tout le corps et la tête du patient, seul l'œil n'est pas couvert. Le patient est installé sur le dos, l'œil sous un microscope. L'opération peut être réalisée sous anesthésie locale. Des écarteurs sont positionnés aux extrémités de l'œil afin de donner plus de place pour travailler au chirurgien. On découpe la cornée malade du patient sur un diamètre de 8 mm. Le chirurgien prépare la cornée du donneur afin qu'elle soit la plus adaptée possible à l'œil du patient. Le greffon est implanté sur l'œil du patient. La nouvelle cornée est suturée sur l'œil du patient. Les points sont enfouis par rotation sous la nouvelle cornée pour éviter l'irritation de l'œil. Le don d'organes, tous concernés.